Tout le monde comprend l'église entre la canon. Jeudi à ce dimanche 26 mars 2023, nous trouvons dans le local DCCH, dans la botte de 16 Okaï. Et après 3 jours de congrès qui était gagné côté pastoral familial de 16 Okaï, là, t'as organisé gros congrès, ça, le deuxième congrès. Et nous bien ensemble avec nous, un couple, nous-mêmes, nous pouvons aller parler, non, après quelques questions que nous allons poser, nous allons expliquer nous qui j'en sais pour eux. Et bien avant, nous-mêmes, nous, c'est couple. Oui, non, pas c'est Blaise Glédi, moi, accompagné de madame, moi, qui c'est Benkina Isaac Blaise. Ok, c'est avec un peu de plaisir pour nous venir sur le plateau comprendre l'église jeudi. Oui, nous sommes participés dans 3 jours de congrès qui commençait depuis vendredi. Jeudi, nous venons dans le dernier jour. Et c'est avec qui sentiment nous allons rentrer la caille? Bon, si nous avons basé sur le sentiment, il y a un peu de sentiment. Et déjà, nous terminons le congrès avec une chanson qui dit que changez vos cœurs. On ne peut pas rentrer la caille au jonté, on ne peut pas rentrer la caille comme ça. Donc, je pense que par rapport au congrès, nous participer pendant 3 jours, nous transformer. Moi, madame, moi, c'est sûr, nous transformer. Il y a des choses que nous jouons qui permettent nous avancer dans 4 fois. Il y a un conférencier qui t'a marqué non, pendant toute conférence? Si nous avons basé sur le conférencier, toute conférence qui t'a marqué non, par rapport à bel sujet et belle intervention qui ont été faites. Mais moi-même en particulier, je suis pour madame, moi-même en particulier, dernière conférence, la dernière intervenant qui c'est Révérend Père Hervé, bon, l'image qui m'a appelé avec les 10 principes, les 10 commandements pour mieux gérer un foyer ou une famille, c'est le primordial, donc on ne peut pas s'en passer. Donc je ne connais pas si madame qui a intervenu qui t'a marqué le plus. Vous avez intervenu qui t'a marqué? C'était Père Charles. Père Charles. Ok, merci. Et maintenant, quel message que nous avons pour toute couple et même surtout jeune couple, même ensemble avec nous? Quel message que nous avons pour vous, même qui n'ont pas de chance pour participer dans le grand congrès? Ça? Bon, en premier lieu, je parle pour les gens qui sont anciens, couple ancien. Donc, nous avons remarqué pendant le congrès, il y a un peu de couple qui a des 25, 30, 40 et plus années de vie conjugale. Donc, des expériences que partagent avec nous, qui viennent que moi et ma madame, moi, nous viennent plus fort et nous disent, si ça n'a pas dur, donc ce n'est qu'une goutte d'eau. Là, il reste avec la gueule, les plus toujours. Donc, moi-même, ça m'a dit l'autre, ancien, pas peur, pas hésiter à partager des expériences bonnes ou mauvaises avec des jeunes couples ou bien des couples qui envisageaient entrer dans la vie mariage. Donc, et puis, jeunes couples, même j'avais mieux. Ça que tu es là, je suis capable de dire, ouais, même j'avais, je constate même j'avais. Nous avons un conseil plus grand yo, et puis nous avançons. Nous ne devons pas décourager parce que l'ancien fait nous comprendre que la vie n'est pas facile, mais que la vie n'est pas jamais facile. Mais la vie conjugale, tant qu'on intervenant hier, on te dit qui a plus de 40 ans de vie conjugale. Donc, il faut comprendre que. Puis, si c'est tolérance, c'est l'amour, donc il y a des bagailles, il faut qu'on vive, il faut accepter, et puis ou même avec conjoint, nous entendons comme si de rien n'était. Donc il y a des problèmes, c'est ou même maman de mou, ou même maman qui peut connaître. Donc. Ok, dans qui paroisse que nous sortons, non? Bon, nous sortons dans la paroisse Sacré-Cœur. Okay. Pour l'église, merci. D'accord, merci. Merci, c'est nous-mêmes qui pouvons remercier nous. Donc, congrès, ça, je souhaite que la prochaine fois, toute coupe qui marié, qui a capacité ou bien qui a possibilité, pas rater l'occasion, pas rater l'opportunité. Ça. Non seulement il est venu pour louer, mais il est venu pour apprendre tout. Donc, merci. Merci. Encore une autre coupe sur la plateforme Comprendre l'Église. Et vous pouvez dire qui coupe qui est et dans qui passe qui est sorti. Et non pas c'est Chéri Francia, ma compagnie Marim, M. Souverain Pierre Danier, nous sommes dans la paroisse Sacré-Cœur. Je dis à nous sommes vivre et 3 jours congrès ici à dans la Borde, et côté pastoral familial t'as organisé. C'est avec qui sentiment que nous-mêmes nous allons rentrer à la caille? Bon, pour 3 jours ça nous passer ensemble, non? Moi capable de dire son sentiment de joie. Parce que nous venons recevoir des séries de formations. Peut-être que nous avons gagné, nous n'avons pas d'importance. Peut-être que nous avons gagné, nous n'avons pas compris comment nous utiliser. Mais dans ce moment-là, nous venons plus structurés dans nous. Et nous venons sentir, nous venons gestionnaire dans la famille. Nous avons un conférencier, quelqu'un qui t'a marqué nous pendant 3 jours. Ah oui. Pour toute conférence, c'était bien. Mais matin, nous avons Père Hervé qui était là avec nous
pour te parler nous de 10 commandements d'une famille. Moi-même, c'est avec un pile étonnation l'entendre 10 commandements d'une famille parce que moi-même depuis petit monde quand j'entends 10 commandements que ça qui est écrit dans la Bible là, ça bon Dieu dit, moi-même moi t'a posé tête moi question mais comment ça écrit 10 commandements ça yo? Qui ça gagne dans 10 commandements ça yo? Mais le et conférencier a fin présenté bien et fin présenté conférence là très très bien. Moi viens essayer de connaissances que nous t'ai gagné, nous pas trop accentuer sur eux, nous pas trop mettre eux en valeur vrai qui et eux même yo établi pour faire une bonne marche, une foi. Il y a un message que nous avons gagné pour l'autre couple, jeune couple, même ensemble avec nous, peut-être qu'il n'y a pas de gagner l'opportunité pour être présent dans le congrès. Et nous même tout, question de volet, et nous même tout, est-ce que nous engageons nous pour nous partager ça que nous jouons dans le congrès ensemble avec eux? Bon, première réponse que je baille, depuis que nous sommes venus là, nous avons répondu présent à congrès, c'était déjà un engagement que nous avons gagné pour nous former l'autre couple qui gagne pour rentrer et m'a demandé couple qui pas gagne chance de participer dans le congrès ça toujours mettez au disponible quel que soit le diocèse l'a demandé et mettez disponible des conférenciers pour former pour créer activité ça comme congrès ça fait pendant 3 jours là pour toujours disponible parce que c'est une formation li bon parce que li toujours bon pour toujours à former pour toujours même si on gagne des séries de bagaille que on connaît pour toujours à tendre dans tête tout pour Kevin plus top parce que pas oublier me sont dit nous me sentir son gestionnaire c'est bien OK d'accord et plateforme comprend l'église remercie non même tout nous remercie merci en pile d'accord bon travail. Merci beaucoup. D'accord. Bonsoir Adélo. Et bienvenue sur plateau Comprendre l'Église. Jeudi, c'est dimanche 26 mars, que nous avons dit. C'est le troisième jour, c'est quasiment capable de dire clôture, congrès et diocésain qui t'a organisé ici à l'ICCH dans la Bode. C'est qui j'en sais, avec qui sentiment nous allons entrer la fin aujourd'hui? Bon, d'abord, je m'excuse internautes du fait que c'est moi seulement qui ai pris mon interview. Madame, elle est très prise dans l'autre activité, donc elle a sollicité pour venir participer avec moi, mais malheureusement, ça l'a fait à pas permettre de déplacer. Alors, de là où on est, le congrès familial, c'est une activité exceptionnelle et obligé de prendre temps pour organiser. Alors, rappelez-vous que le premier congrès a été organisé depuis 2014, ça fait une différence de 2014-2023, 9 ans depuis que nous n'avons pas organisé le deuxième. Nan. Bien entendu, ce n'est pas de volonté que nous n'avons pas gagné, non pour nous organiser le deuxième, nan, mais c'est circonstancieux qui t'est fait, le deuxième n'avons pas fait. Donc, mais nous avons toujours gagné dans la vision, nous, dans le projet, nous, dans le rêve, nous, pour nous organiser le deuxième et congrès. Et c'est ça que je dis à l'arrivée possible. Donc, nous, congrès familial, qui s'allie? Nous connaissons que la famille, comme nous toujours dit, c'est la route de l'Église, c'est la base société. Sou capable pour gagner un bon citoyen dans la société, qui peut occuper des postes, des fonctions, qui est capable de changer le pays, c'est dans la famille qui est. Donc, on peut comprendre que la famille, c'est la base de la société, c'est la route de l'Église. C'est ça que fait, nous prenons à cœur pour nous faire activité ça. Pour nous remembrer la famille, pour nous reconstituer la famille, pour nous faire famille comprendre qui ça y est, qui mission y est et qui rôle y est pour jouer dans la société. Donc, c'est ça qui était, pour me dire tout bon, c'est ça qui expliquait la réalisation du deuxième congrès familial. Là. Et bon, oui, on va dire nos statuts dans la commission. Bon, je suis responsable de la formation dans la commission du CESENA et en même temps, je suis coordonnateur adjoint. Oui, mais OK. Mais je dis là, avec qui sentiment, après environ 9 ans que nous n'avons pas organisé le congrès, ça que nous avons organisé déjà 3 ans après, nous avons fini d'organiser ça, nous avons organisé en 2014. Et avec qui sentiment, je dis à nous allons rentrer là, car nous comme responsable dans le diocèse là, comme responsable commission pastorale familiale là. Delo, est-ce que véritablement il y a un mot
pour définir sentiment que nous gagnons exactement après nous réaliser deuxième congrès ça. Son sentiment de satisfaction totale, son sentiment de fierté, parce que pour nous, les nous, malgré conditions difficiles que famille a vivre, situation d'insécurité, situation de vie chère, et pour famille accepter faire sacrifice pour quitter foyer, pour quitter activité, pour venir passer 3 jours dans la borde, nous sont bagage extraordinaire. Et puis c'est du tout de l'eau. Satisfaction les plus sortie dans intervention dans conférence. Donc ça moun yo apprendre dans conférence c'est bagaille extraordinaire. C'est bagaille qui pral changer la vie du tout au tout et ou gagner autant de témoignages que yo baille. Témoignages qui montrent nous que ça yo recevoir là dans formation, c'est bagaille qui déjà transformé yo. Et yo pas recevoir pour compte pour yo seulement yo pral partager et c'est ça oui qui pastoral familial là c'est venir recevoir pour al partager pour al dupliquer partager avec tout l'autre monde qui pas gain chance vivre ça yo te vivre là et bien c'est ça rôle commission diocésaine là c'est établir dans chaque paroisse des cellules de pastoral familial nous fait travail ça déjà en 2014 et aujourd'hui nous fait travail ça parce que nous te prend bâton pèlerin nous marcher dans toute paroisse pour nous établir des familles unies et c'est ça fait aujourd'hui au Kawe ça nous réaliser dans week-end là l'était possible parce que nous yo déjà conscientisé et conscientisation augmenter davantage ou pour aller peut-être nos prochaine activité ça pour aller dans la bord ou bien dans site que nous pour choisir pour nous faire là c'est pour un bagage extraordinaire qui dépasser toute espérance. Prochain projet que nous gagnons? Eh bien, prochaine activité que nous gagnons, c'est entretenir famille dans des activités que nous avons fait au jour le jour et bien à des moments très particuliers. Par exemple, pour fête Saint-Valentin, nous avons organisé une belle activité qui était Secouéville là. Eh bien, prochaine activité, c'est une occasion côté famille pour aller en branle. Par exemple, pour fête des mères au mois de mai. Donc depuis gain possibilité et nous entrevoit déjà possibilité et pas entrevoit possibilité non donc n'a réfléchi sous possibilité pour nous faire activité ça et en pile famille qui t'ai participé dans 14 février y a tant et yo prêt pour yo participer pour yo contribuer pour nous faire une belle activité qui pourra montrer tout le monde dans ville locale et même dans pays a qui sa pastoral familial là hier et qui sa famille yo représenter pour commission diocésaine. Merci monsieur Bourgela, plateforme comprendre l'église, merci. De rien de l'eau et nous pensons que plateforme l'église a toujours comprendre l'église a toujours là pour commission. Donc et nous cap toujours fait travail là à deux. C'est un bel travail et comprendre l'église a fait merci et nous félicitons pour ça. Merci. C'était ensemble avec nous comprendre l'église et qui était là pour te faire nous vivre et intervention et participer dans congrès ensemble avec une responsable de commission. Jeudi à c'est troisième jour en fait. Congrès lui-même les clôture officiellement. C'était avec un petit peu que nous étions ensemble avec vous pour vivre l'événement ça à travers les vidéos, à travers des photos que nous étions là sur place pour notre propre public. Pas oublier, vous étiez toujours connecté avec la plateforme Coupon Église. Non pas, c'est du logement.